Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de la box de janvier. Alors, déjà, désolée pour le retard de cette présentation. C'est vrai que les mois d'avant, je le faisais plus vers le 5, mais là, avec les fêtes et tout, mon imprimerie a eu un peu de retard. Donc, je suis allée chercher ce matin les papiers à l'imprimerie. Donc, je vous présente ça aujourd'hui. J'espère que cette box va vous plaire. En fait, cette box, elle n'est pas du tout dans le thème hivernal qu'on pourrait attendre. J'avais pas envie de faire un truc sur l'hiver. Peut-être que pour le mois de février, je ferai ça. Je pense pas. Honnêtement, l'hiver et moi, on n'est pas très copains. Et par contre, j'aime bien ce genre de couleur un peu pastel froide, ce genre de couleur, voilà, tranchée, mais douce et hivernale. Donc, on va faire ensemble le tour de cette box. Sachez aussi que cette box a été à 99% réalisée par moi-même et par ma machine de découpe Cameo. Normalement, les découpes seront bien plus propres, bien plus régulières. Il y a des éléments et des produits aussi nouveaux grâce à ça, donc j'espère que ça vous plaira. Donc, comme dans toutes les box, on retrouve le petit papier de présentation. Cette fois-ci, il n'y a pas de concours. Ça sera sûrement pour le mois de février, donc restez connectés. Ensuite, ça c'est un petit cadeau entre guillemets que je vous mets. D'ailleurs, je suis désolée d'avance pour cette blessure. Je vais essayer de montrer plus avec la main gauche. Avec la main droite, je me suis blessée en faisant vos badges d'ailleurs. Voilà. Donc, on a un petit sticker. Donc, c'est un sticker assez grand. Hein, voilà, au niveau de la taille de ma main. Donc, il est à 100% autocollant. Il suffit de passer derrière pour décoller la pellicule autocollante du sticker. Ensuite, on a les premiers badges de l'année 2021. Donc, je vous les sors tranquillement. Je vous les ai sortis. Voilà à quoi ils ressemblent. Donc, un sur les tons un peu vert et un sur les tons un peu rose avec un mot écrit sur celui-ci. Voilà. Ensuite, on a le mélange de sequins. Donc, le mélange de sequins dans les tons dorés, roses, dans les mêmes roses, un peu vieux roses que la box. Et des petites touches de vert, des petites billes et des petites fleurs, étoiles vertes, pardon. Sachez qu'à l'intérieur, vous avez aussi des petits cœurs sequins. Il n'y a pas que des ronds. Voilà, c'est un petit mélange comme j'aime bien les faire. Voilà. Ensuite, vous avez un pochoir. C'est la grande nouveauté de cette box. Donc, je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus facilement. Voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est une des feuilles. C'est la fameuse feuille, encore une fois, que vous avez sur les badges. Voilà. Et aussi sur le stickers. Et c'est donc sa découpe sous forme de pochoir, voilà. Il est assez petit hein, par rapport à ma main, vous voyez, il est assez petit. Mais pour faire un fond, quoi, ça peut être plutôt sympa. Ensuite, on va finir par les badges, les découpes. On a une planche de sentiments. Comme pour le décembre, j'avais beaucoup aimé les faire et j'ai vu que ça vous avait plu. Et j'avoue que moi, je m'en suis énormément servie aussi. Donc, je me suis dit pourquoi pas refaire ça. Ensuite, on a une planche de washi, donc de petits autocollants tout en longueur comme ça. Voilà. C'est pas évident à faire sur mon papier parce que mon papier est déjà prédécoupé à certains endroits, comme par exemple là. Vous voyez? Et du coup, ça a un peu appuyé sur la lame. Donc, je suis désolée d'avance si certaines bandes sont un peu trop découpées, vous voyez, comme celle-là. Mais c'est totalement utilisable, hein, il n'y a pas mort d'homme, vous voyez. C'est à 100% utilisable. Donc voilà, il y en a 4. Il y en a 5, pardon. Ça va pas, moi. Ensuite, on a les papiers. Donc déjà, celui-ci, ça, c'est mon gros coup de cœur. Je l'aime trop. On a celui-ci que j'aime énormément aussi. Celui-ci beaucoup plus clair, beaucoup plus doux. Et celui-ci, coup de cœur aussi, hein, évidemment, avec ses taches pourpres sur ce fond vert d'eau. Là, la lumière ne rend pas trop justice aux couleurs. Et pour finir, on va passer aux découpes. Donc, on a ce petit élément-là, des petits fanions. Un premier badge. Enfin, tag, un petit sentiment en hiver,
un autre fanion, un rond avec un effet aquarelle, une composition de fleurs, un autre petit scintillement, une autre composition de fleurs, pas dans les mêmes couleurs. Là, on a une petite étiquette, un très beau fanion, la neige, que j'aime énormément. En famille, un autre tag. Ce rond-là avec mes fameuses fleurs et un effet aquarelle. Des feuilles, donc on en a trois tailles. Un autre fanion et un autre rond. Ils sont pareils, hein. On en a du coup deux comme ça et deux comme ça. Donc voilà pour ces petites découpes. J'espère que ça vous plaira, que ça sera quelque chose qui vous intéressera, que la box vous aura interpellé. Et puis rendez-vous du coup sur ma boutique Patreon pour accéder à l'abonnement. C'est un abonnement sans engagement. Vous vous abonnez pour 1, 2, 3, 1 an, peu importe, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Moi en tout cas, je m'éclate tous les mois à vous faire cette box et j'adore voir vos retours. Donc merci, merci, merci pour vos retours, vos réponses, vos partages par rapport à cette box. Franchement, je suis trop contente. Donc merci encore. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous, scrapez bien. Et pour vous abonner, le lien est dans la barre d'infos.